Les membres de la bande de Laurent Ruquier, on a tout essayé, les grosses têtes, n'étaient pas amis qu'à la télévision. Ainsi en 2012, si est tous ensemble qu'il emmène Claude Sarraute à Cuba pour fêter avec elle son 85e anniversaire. La fête avait été filmée par Gérard Millet pour son documentaire sur Laurent Ruquier, on ne demande qu'à le connaître. Des images qu'il a ressorties pour rendre hommage à la très populaire journaliste, décédée mardi 20 juin à l'âge de 95 ans, et confiée à C'est à vous. La grande tablée rassemblée à Cuba autour de Claude Sarraute compte quelques amis célèbres, Jean Benguigui, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Stevie Boulet, Gérard Millet, Michael Gregorio, Christophe Beaugrand, Daniel Evenou. Et Laurent Ruquier, qui lui avait préparé un discours drôle et piquant. Pouvait-on imaginer, pour ton 85e anniversaire, endroit plus indiqué que cette capitale cubaine? Une ville qui tient à peine debout, mais garde tout son charme, plaisante-t-il, déclenchant les rires et les applaudissements de la principale intéressée. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Claude Sarraute, une femme d'une popularité incroyable. Laurent Ruquier poursuit ensuite sur le même ton irrévérencieux. Si tes ex-époux étaient là, ils trouveraient sûrement aussi gonflé de notre part d'avoir choisi le pays de Fidel pour fêter l'anniversaire d'une femme qui ne l'a pas toujours été, ajoute-t-il, en référence à Hans, l'amant de Claude Sarraute pendant 30 ans. Qu'il est con, lui rétorque-t-elle alors avec amusement, avant de confier à l'assistance qu'elle vit alors l'anniversaire le plus beau de S, à vie. À l'issue de cet extrait du documentaire On ne demande qu'à le connaître, Gérard Millet revient, pour l'émission C'est à vous, sur la renommée de cette femme libre et rieuse. Je n'ai pas besoin de convaincre la plupart des gens qui l'ont regardé à la télévision et qui l'ont écouté à la radio. Si est-il quelqu'un qui était d'une popularité incroyable, salue le psychanalyste. Lors du dernier dîner au restaurant que nous avons fait avec elle et ma compagne, on a mis une demi-heure à sortir, parce qu'elle s'arrêtait à toutes les tables. Crédit photo, capture d'écran France 5. On your